Les Ivoiriens ont les yeux tournés vers la CPI ce jeudi, date de l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo, jugé pour crime contre l'humanité. À Yopougon, bastion de l'ex-président, les partisans souhaitent sa libération. Les Ivoiriens ont besoin de leur Gbagbo. On a besoin de notre Gbagbo. Si Gbagbo ne vient pas là, il n'y a pas de réconciliation. J'ai eu un pincement au cœur parce qu'il est innocent. Le président Gbagbo est innocent. De l'autre côté, dans le même quartier Yopougon, des parents de victimes vouent l'ex-président aux gémonies. C'est un soulagement de voir, n'est-ce pas, que des gens qui ont commis des exactions sur des populations sans défense sont devant la haie aujourd'hui, en train d'être jugés. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, ça montre que l'impunité a pris fin. Je ne suis pas satisfait pour le moment. J'attends une sanction exemplaire contre Gbagbo et son acolyte Blé Goudé. Et cela doit servir d'exemple à tous les dirigeants africains. À la haie, Laurent Gbagbo a déjà plaidé non coupable et le procès se poursuit.